بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ce message concerne les dirigeants du Merkez et les gens qui s'occupent des orphelins du Merkez Al-Sunna wal-Jama'a. Nous tenons à vous remercier, après avoir remercié Allah subhanahu wa ta'ala pour toutes les aides que vous nous avez fournies pour les orphelins. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, selon la traduction du hadith, moi et les gens qui s'occupent des orphelins, nous sommes comme les deux doigts de la main dans le paradis. Fin du hadith. Surtout en ce temps dur avec cette maladie épidémique. Pour faire simple, celui qui veut s'occuper d'un orphelin, ou on veut vous faire savoir que c'est 60 euros par orphelin, et ce par mois, nourri, logé et blanchi. En tout, cela reviendra à 720 euros par an par orphelin. Celui qui veut, il peut payer en deux fois, 6 mois, 6 mois, ou toute l'année, ce qui nous est préférable. Voilà la manière dont le Merkez Ahl Sunna wal Jama'a s'occupe des orphelins. Celui qui veut prendre un orphelin en charge et travailler avec nous, c'est comme cela que nous fonctionnons. Pour plus d'infos, soit venir au Merkez directement ou appeler les dirigeants du Merkez pour celui qui est intéressé, et il peut venir voir l'orphelin, on lui donnera son dossier pour qu'il le consulte. Pour être plus clair et pour les gens qui sont à l'étranger, qui sont intéressés, ils peuvent envoyer quelqu'un de leur famille pour venir au Merkez et vérifier par eux-mêmes, car nous aimons les choses claires et bien faites. Les gens honnêtes et sincères ont toujours des ennemis. Beaucoup de gens parlent sur le Merkez en mal, mais notre travail est toujours bien fait et clair. Mais cela, celui qui vient avec une parole, il doit nous donner une preuve, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, قُلْ فَأَتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Mais parler pour ne rien dire et sans preuve, cela n'affecte en rien le Merkez. Il faut des preuves. Le Merkez a 27 orphelins, hommes et femmes, ont sa charge. Attention, tous les élèves du Merkez ne sont pas des orphelins. On a des pauvres et des nécessiteux, mais l'argent qui vient au nom des orphelins, c'est que pour les orphelins. Pour les gens, pour que les gens le sachent, bien, l'argent qui vient dans la main du Moudir pour les orphelins, c'est que pour eux. C'est ni pour les professeurs, ni pour les pauvres, ni pour les nécessiteux. C'est très important de savoir cela. Car des gens peuvent voir des élèves du Merkez mal vêtus, ils vont penser que ce sont des orphelins. Dans ce cas précis, il faut venir voir la direction pour être plus informé. On a des élèves qui logent au Merkez, mais ce ne sont pas des orphelins. Pour celui qui nous ramène beaucoup d'argent, au nom des orphelins, sans préciser de nom, on sélectionnera des orphelins parmi eux et on leur distribuera cet argent. Mais s'il dit que c'est pour tous les orphelins, on leur achètera des denrées alimentaires et tout ce qui s'ensuit, en prenant des photos et des vidéos de tout pour être plus clair, puis on envoie à la personne qui a donné cet argent pour qu'il voit son travail. D'autres personnes veulent qu'on cite leur nom et d'autres n'en veulent pas. C'est comme cela que nous travaillons avec les gens qui veulent nous aider pour s'occuper des orphelins. Pour plus d'infos, contactez le Moudir au numéro suivant 00 222 46 86 97 35. Pour finir, depuis l'année 2015 jusqu'à aujourd'hui, on remercie toutes les personnes qui s'occupent des orphelins. Sans préciser de nom, on vous remercie beaucoup. On tient vraiment à vous remercier, les personnes qui soutiennent le Merkez, car sans l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis votre aide, nous n'aurons pas pu avoir une université en Mauritanie. On a beaucoup de Merkez qui sont ouverts en Mauritanie par vos aides. On tient vraiment à vous remercier. Votre frère Abu Yahya du Merkez al-Sunna wal-Jama'a, le 9 avril 2020. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.